Abonne-toi si toi aussi tu trouves que ma coupe de cheveux elle est moche. Yo les potes, tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui les gars, comme vous le voyez, je viens de me réveiller, je suis un petit peu crevé. Il fait déjà jour et tout les gars, je me suis pas levé de mon lit, c'est juste que moi je dors les volets ouverts pour justement me réveiller tôt. Parce que le fait d'avoir les volets ouverts, ça laisse passer le soleil. Et du coup, dès qu'il commence à faire beau, bah tu vois, le soleil avec la lumière du jour, ça me réveille. Et au moins je me réveille tôt, tu vois. Genre là actuellement, bah il est à peine 9h, il est 9h06 les gars. C'est vrai que je me réveille à 9h et j'aime bien me réveiller tôt parce que si je dors les volets fermés, je me réveille genre à midi, 13h et ça me casse les couilles. Parce que me lever tard, genre à 13h et tout, j'ai l'impression de gâcher ma journée. Genre, il manque un truc dans ma journée, il manque le matin, tu vois. Voilà, je vous raconte ma vie, clairement. Bah, de toute façon, on est là pour ça aujourd'hui, les petits potes, puisque vous allez tout simplement passer une journée de confinement avec moi, en fait. Depuis le début du confinement, les potes, je me suis instauré une petite routine. Et aujourd'hui, je vais vous partager ça, les petits potes, je vous emmène avec moi dans ma journée, quoi. Bon, déjà, premier truc qu'on fait en se levant, à votre avis, les gars, très important, très très important. Allez se laver, allez pisser, allez déjeuner, non. Mettre la casquette. Bah oui, non mais frérot, c'est pas supportable ma coupe de cheveux, c'est pas supportable, on met la casquette direct, frère. Bon, en vrai les gars, en général ce que je fais en venant de me réveiller, je me lève pas tout de suite. Genre là je vais traîner sur les réseaux. Je vais aller sur Twitter, Insta, TikTok et tout, 20-30 minutes quoi, tranquillou. D'ailleurs n'hésitez pas à me follow les gars, hein, sur mes réseaux, hein, mon Twitter, mon Insta, mon TikTok, vous avez tout. Puis nous on se retrouve d'ici 20 petites minutes quoi les potes. Bon ok les potes, c'est bon, j'ai assez traîné, on va aller aux chiottes là parce que depuis tout à l'heure j'ai une petite envie de chier là quand même. Non mais en vrai ça c'est très important les gars, tous les matins en me levant, première chose que je fais tout le temps, aller pisser. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que moi. Oh là je vais pisser les gars, je vais pas vous montrer. Mais bougez là, mais ouais, je vous ai dans mon intimité là, vous faites quoi là, bougez ouais. On s'habille, on est prêt à attaquer la journée les petits potes quoi. Attention attention, déjà un truc qui met de bonne humeur dès le matin. Oh ma Yuki, tu m'as entendu? Oh ma Yuki, ça va ou quoi? T'as bien dormi? Bah alors t'éternues? Bah t'as le corona ou quoi? Mais il me touche pas, wesh, t'as le corona. Mais attends, mais je retourne dans ma chambre. Mais tu fais quoi? Me poursuis pas. Mais bon, mais arrête, tu vas me donner le corona? Mais t'es complètement folle. Alors déjà, faut le nourrir ce petit chien. Ce petit chien, il est affamé, il a faim. Petite croquette au canard. Carré. Regardez là comment elle est bien apprise les potes. Elle attend assis devant sa gamelle. Et voilà. Bon par contre mine de rien les potes, le temps passe là, il doit être 9h30 et moi je publie une vidéo tous les matins. Tous les jours, tous les matins je publie une vidéo. Alors le mercredi et le dimanche c'est sur cette chaîne là, la chaîne principale, la chaîne Michou. Et tous les autres jours, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, c'est sur la chaîne secondaire Michou Off. Et là j'ai pas encore tourné de vidéo pour aujourd'hui, donc faut que j'aille la tourner dès maintenant. Mais d'abord pour être en forme, on va se faire un petit bol de céréales. Les trésors, clairement ça c'est les meilleures céréales frère, y'a pas mieux. Y a pas mieux gros. C'est pas une OP ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est vraiment mes céréales préférées. Donc trésor, si jamais vous avez des sous, on envoie les sous quand même, parce que là je vous fais de la pub. Hop là c'est carré. Y'a plus qu'à se régaler maintenant les petits potes. D'ailleurs du coup les gars, dites moi dans les commentaires, vous êtes team lait avant ou lait après les céréales? Et les gens qui mettent le lait avant les céréales, dites moi pourquoi vous faites ça, pour quelle raison? Parce que pour moi vous êtes bêtes. Voilà. Je suis super méchant. Bon sinon regardez les petits potes, ça j'en suis assez fier. Attention vous êtes prêts? Et voilà gros, je clique sur un putain de bouton sur mon téléphone, ça allume l'aquarium. Mais si c'est pas beau ça. Bon du coup les potes, là je m'apprête à tourner la vidéo du jour pour la chaîne secondaire. Premier truc qu'on fait les gars, on ouvre internet, goodnight.fr. Bah oui mon pote, on va sur goodnight, map, les plus récentes. Et s'il y en a une qui me tape dans l'œil, et bah je la fais en vidéo, voilà c'est simple. Ok ok, du coup j'ai trouvé une autre petite map les petits potes. Je viens de terminer de tourner la vidéo, elle est juste là. C'est la dernière vidéo que j'ai tournée. Regardez moi ça ce beau gosse. Et puis on va attaquer le montage quoi les petits potes. Je viens de terminer le montage les petits potes. J'ai mis le rendu à se faire, il y en a pour 22 minutes, ok. Et puis après il y aura plus qu'à la publier sur YouTube, faire la petite minia et puis on sera bon. Carré les petits potes, le rendu vient d'être terminé. Moi j'ai terminé la miniature, du coup je suis en train d'upload la vidéo sur YouTube là. Bon maintenant je vais m'occuper de mettre titre, description, etc. Et puis on est bon pour la vidéo du jour quoi. Enfin quoi. On va se faire un Death Run McDonald's. Parce que oui vous savez, avec le confinement, tous les McDo sont fermés. On peut plus aller au McDo dans la vraie vie, mais on y va dans Fortnite. Et puis on est bon du coup, et il est déjà 11h30 putain. Regardez Yuki là, terminal en forme. Parce que les gars forcément avec le confinement, Yuki bah je la sors très très rarement, je la sors vraiment pas beaucoup. Et du coup là c'est le petit moment où je joue avec elle pour bien la défouler les gars. Vas-y Yuki, t'es prête? Vas-y viens 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 viens. Vas-y tire Yuki, mets toute ta force là. Mais tu mets pas de force là, regarde. Regardez comment elle veut pas lâcher son jouet là. Non c'est à elle hein. Regardez là avec son petit jouet. Attendez j'ai une petite strat, regardez on va faire diversion. Tu prends un autre jouet et tout tranquille. Hop hop et voilà, je t'ai niqué, j'ai récupéré le jouet. Attendez aussi, normalement il y a son frisbee. Il est là son frisbee. Frisbee c'est trop bien les gars, parce que je le lance, elle le ramène et je le relance. Bah alors t'as du mal là. Allez viens.
Non, mais par contre, faut me le ramener là. Je t'ai niqué, je t'ai encore niqué. Tu vas faire quoi maintenant? Allez, fais la belle, vas-y, danse. Regardez-moi ça, se met debout, elle danse. Bon, vas-y, Yuki, tu l'as bien mérité. Ah, t'as reconnu, hein, t'as senti, ah, t'as senti direct, hein. Tu sais c'est quoi les petits gâteaux, non? Bah non, tu l'auras pas aussi facilement. Yuki, assis. Donne la patte. C'est bien mon chien, les tiens. Tiens, tu l'as mérité, c'est pour toi. Bon voilà, c'est notre petit moment à deux. J'essaye de passer pas mal de temps avec elle pour bien la défouler. Donc voilà, voilà. Putain, tu l'as dégommé ton gâteau, hein. Ok les petits potes, je commence à avoir un petit creux. Il est midi, on va se préparer un bon petit plat. Mon plat spécial confinement, les gars, c'est toujours le même. Le midi, on part sur des petites pâtes, des petites coquillettes, quoi, les... Ça, c'est mes pâtes préférées, ça, les gars. Les coquillettes, c'est pour moi, c'est les meilleures pâtes. Et vous, c'est quoi vos pâtes préférées? Hop, carré, on allume le feu, les gars. Et c'est parti, on fait chauffer l'eau. Moi, je mets tout le temps du sel et de l'huile d'olive dans l'eau directement. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Voilà, c'est carré. Et puis là, on n'a plus qu'à attendre que l'eau boue et après, on met les pâtes, quoi. Tranquillou bilou. Et le temps que l'eau boue, les gars, je vais faire un petit truc. C'est un truc que je dois faire tous les jours, les gars. Je dois lui mettre des petites gouttes dans les yeux. En gros, ça permet de nettoyer ses yeux pour pas que les coins de son œil ils soient jaunes, dégueulasses. Allez, là. Allez, bouge pas. C'est bien, Mayuki. Et là, on masse le coin de son œil tranquillement. Allez, c'est bon, c'est fini. C'est bien, la belle. Je vais juste faire un petit truc en plus, les gars. Je vais la brosser. Allez, c'est parti. Allez, bouge plus. C'est bien, Mayuki. On brosse bien partout. Allez, c'est bon, on a fini, Mayuki. C'est bon. Oh là là, mais regardez-moi ça. C'est abusé, hein. C'est abusé, tous les poils qu'elle perd. Regardez la brosse, wesh. Mais maintenant, elle est toute belle. Ah, bah, les gars, bah, c'est parfait. Regardez-moi ça. On vient de terminer, l'eau, elle boue. Et bah, c'est parti. On va mettre les pattes dans l'eau. On range le paquet de pâtes. Et ben on est pas mal là, les gars. Ok les gars, les pâtes sont prêtes. Il est temps de les égoutter. C'est carré ça. Hop. Et voilà, on est bon les gars. On a notre petite casserole de pâtes là. On va rajouter un petit peu de beurre. On rajoute le beurre dans les pâtes. Par contre, je crois que j'ai fait un petit peu trop de pâtes, les gars. Je crois vraiment que j'en ai fait trop, hein. Ah non, c'est bon, c'est bon. Et mine de rien, les pâtes, c'est un des repas les plus simples. Mais franchement, gros, c'est un des repas que je kiffe le plus, hein. On choisit une petite vidéo YouTube à se regarder, les gars. Et on... Attends, mais il fait quoi, là? Je suis mort, putain. Et voilà, on se pose tranquillement devant une petite vidéo YouTube. Carré. Ok, je viens de terminer, les gars, je les ai dégommés. Je crois que j'ai terminé en 5 minutes, gros. Je les ai dégommés, mes pattes, j'avais trop la dalle. Bon, les copains, il est l'heure du sport, là. Il est l'heure du sport. D'ailleurs, je crois qu'avec le confinement, j'ai jamais fait autant de sport qu'en ce moment. J'ai acheté un petit tapis de course, les gars. Du coup, ça me permet de bien me dépenser, tu vois. Je peux pas sortir pour courir dehors dans la rue. J'ai ça pour courir, tu vois, ça fait large le taf. Et j'ai même acheté des petites haltères, les gars. Ouf. C'est carré. Et tous les jours je fais ma petite séance de sport d'une heure, une heure et demie. Mais là j'ai l'impression qu'on va attaquer là. Les gars, on va se changer, on se met en tenue de sport et c'est parti quoi. Vous êtes prêts les gars? On va faire comme dans les Sims. Wouh. On est bien là ou pas là? Et les potes, on commence la séance avec 35 minutes de tapis de course, c'est très bien. Et vitesse maximale, on va mettre... vas-y, on va mettre 13,7 km/h. Bien évidemment, les petits potes, qui dit sport dit musique. Bah ouais, gros, tu vas pas faire du sport sans musique. T'imagines comment tu te ferais chier sinon? Let's go, les petits refs. Dernière ligne droite, les petits potes. Il reste 10 secondes. C'est fini. Je sais pas si ça se voit sur mon t-shirt, mais j'ai de la sueur jusque là, frérot. Bah voilà, du coup, les gars, l'entraînement tapis de course terminé. Mais mon entraînement de sport n'est pas terminé, puisqu'on enchaîne directement avec 10 minutes de pompe. J'ai dit 10 minutes de pompe, non, 10 pompes. Juste 10 pompes, hein, on va se calmer, les gars, hein. En gros, je m'entraîne en deux parties, on va dire. Ou en gros, je m'échauffe tranquillement en faisant des pompes ou des abdos, des trucs comme ça. Et après, je mets une vidéo de Thibaut InShape pour voir les exos. Genre, par exemple, si j'ai envie de bosser les biceps, voir quels exos il fait pour les biceps. Et aujourd'hui, on va faire les pecs. On va faire 2 fois 10 pompes, les gars. Ok, 10. On prend une petite pause tranquillement. Mais en vrai, avant, j'avais rien pour faire du sport chez moi. Du coup, fallait que j'aille tout le temps à la salle de sport. Et c'est un petit peu relou, tu vois. Le tapis de course et les haltères, c'est vraiment mon achat le plus rentable. Tous les jours, je charbonne. Bon, bon, on dirait de gagner du temps. On fait 10 pompes. J'en ai même fait une en bonus quoi. Et du coup je vous ai dit la suite de l'entraînement, tu vois, sur YouTube. Thibaut InShape entraînement pectoraux. Et voilà, du coup je regarde sa vidéo pour voir quels exos il fait et je fais les mêmes. Et voilà mon pote, c'est carré. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti les gars. Allez, en position. Pensez à bien souffler. Doucement, en contrôle. Et on vient serrer, allez. On descend doucement. Allez. Et on serre, super, allez on continue. Plier et serrer en haut. On pense à serrer les pecs. Wow.
Oh, je me suis fait souffrir là. Oh, je suis cuit. Oh, je suis cuit, sa grand-mère. Bon, sinon, les petits potes, moi je vais me laver. Je vais prendre une bonne douche là parce que j'ai bien transpiré. Hein. Et on se retrouve juste après parce que bon, je vais quand même pas vous filmer comment je prends une douche. Hein, les gars, voilà, j'ai le douche, shampoing et vous allez pas me saouler, d'accord. Wesh les petits refs. Au final j'ai pris un bon gros bain sa mère hein. Je me suis fait couler un petit bain tranquillement. J'étais bien dans la salle de bain avec ma petite musique. Là j'étais en train de m'ambiancer de ouf. Les gars il est 16h passé et j'ai un call avec Dobby à 16h pour parler projet vidéo etc. Bah alors évidemment c'est des projets de vidéo que vous verrez dans longtemps. Parce que c'est des projets de grosses vidéos déjà dans un premier temps. Et voilà on va parler de tout ça avec Dobby. Parce que Dobby Dobby c'est le boss en fait. En fait projet réalisation vidéo etc. Ils mettent dans tout et voilà c'est le boss. Wesh Dob Dob ça va ou quoi? Bon ça dit quoi? Vas-y bah parfait c'est merde Dobby. Vas-y bisous gros. Papa pa, pa. Putain les gars à votre avis il est quelle heure là? On a commencé l'appel il était 16h. Il est 18h20. Ça fait deux putains d'heures les gars. On a bien bossé. On a bien bossé donc je suis content. On a pas fait ça pour rien tu vois. On a pas fait ça pour rien donc c'est lourd. Mais bordel 2 heures là ça m'a ouh. Les gars moi j'ai la dalle là parce que normalement à 16h30 je goûte. Sauf que du coup bah là il est 16h30 large passé. On va aller faire des crêpes ok. Les crêpes gros je suis un expert en crêpes. En fait j'avoue j'ai une petite astuce. C'est pas très dur pour moi de faire des crêpes. J'ai une pâte à crêpes. J'ai juste à mettre du lait dedans et à faire chauffer. C'est tout bidon. C'est vraiment tout bidon. On verse dans un saladier. On rajoute du lait. Voilà c'est bon j'ai mis assez de lait là. Ensuite les gars on prend le petit fouet et on touille. Bah ça me paraît pas mal là. On prend une petite louche. On prend de l'huile les gars pour mettre sur la poêle. Pour que les crêpes elles collent pas à la poêle. Petite poêle bien huilée, bien chauffée. Et bah maintenant y a plus qu'à mettre la pâte à crêpes dedans. Hop. Ah je crois que j'ai mis trop de lait les gars. Je l'ai senti en versant la pâte sur la poêle là. Ma pâte elle est un petit peu trop liquide. En vrai ça devrait le faire. Hop. Là la crêpe elle a bien chauffé les gars. Maintenant faut juste la décoller. Je l'ai décollée les gars. J'ai réussi à la décoller sans la casser. Vous êtes prêts à voir mon super retourné de crêpe ou pas là? Perfect. Et voilà mon pote. Première crêpe terminée, elle a bien chauffé. Mais on va pas se mentir, elle est beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup trop épaisse hein. Ok, je viens de terminer mes petites crêpes les gars. Alors elles sont pas incroyables. Mais en vrai ça va, elles sont pas mal. Il est temps de sortir le Nutella l'équipe. Hop. Je vais vous montrer comment je mange les crêpes les gars. Regardez les gars, pour manger une crêpe c'est très simple. Déjà pour la préparer, tu mets mi Nutella, mi rien. Ensuite, tu plies en deux. Puis, tu viens la plier en quatre. Et une fois que ta crêpe est comme ça là, et une fois qu'elle est pliée comme ça, elle est terminée. Sauf que ça ne se mange pas comme ça. Parce que ça c'est le meilleur. Ce bout là c'est le meilleur. Donc faut le garder pour la fin. Du coup tu manges comme ça. Oh mais attendez. Les gars je viens de lancer TikTok et je viens de me souvenir d'un truc. J'ai pas fait de TikTok aujourd'hui. Vas-y je mange mes crêpes et je réfléchis à une idée de TikTok. En plus là j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai envie de live ce soir. Il est déjà 19h et j'ai une vidéo à tourner avant le live. Oh j'ai une idée. Y'a un mec que je suis sur TikTok, je le kiffe trop les gars. Il fait que danser mais il danse normal tu vois. Il fait pas des danses TikTok archi stylées tu vois. Il danse tranquille. Regardez. Et on le voit danser dans plein d'endroits différents. Je vais faire exactement la même chose gros. Gros plagiat. Ok les gars, on va passer à la réalisation du TikTok. Déjà je prends sa musique, hop je le copie. Je prends la même musique et du coup faut que je danse à plusieurs endroits différents. Donc dans un premier temps je vais danser ici dans mon studio normal. Et après je vais danser dans mon salon, dans ma cuisine, dans ma salle de bain, partout gros. On est de retour ici les gars, j'ai fait tous les plans les gars. J'ai fait dans la cuisine, dans la chambre, dans ma salle de bain, sur ma terrasse. Et j'ai même fait un plan avec Yuki les gars. Ok les gars c'est good, je viens de terminer le montage de mon TikTok. Il est trop bien. N'hésitez pas à venir me follow sur TikTok. Mon TikTok c'est michou-yt. Voilà, c'est exactement comme mon Instagram. Et puis moi je vous mets le rendu du TikTok maintenant. Démonétisation. Je suis obligé de faire ça pour la démonétisation. La démonétisation. Voilà, démonétisation. Yeah, la démonétisation. Sinon, faut que je tourne une vidéo là et faut que je me dépêche quand même mine de rien parce que si j'ai envie de live ce soir, sachant qu'il est déjà 19h45, tourner une vidéo ça me prend en général 1h, 1h30. Je vais live ce soir, il va être 21h, tu vois. Bref, on se met en mode vidéo les gars, lumière allumée, les lumières derrière allumées, cette caméra là, bam, elle est allumée, elle est reliée à mon petit écran. Et puis on est parti les gars, je vous tourne une vidéo. Du coup, c'est une vidéo qui est déjà sortie les gars, cette vidéo elle est sortie dimanche. Voilà, elle est disponible juste là si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah let's go, moi je tourne ma petite vidéo et on se retrouve juste après les refs. Je vous fais des énormes bisous, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes. Banks, nouvelle vidéo les gars. Nouvelle vidéo de tournée, c'est carré. On est bon, du coup j'ai tourné. Il est 21h16 actuellement, ouais. J'ai à peu près 1h, 1h30 de tournage. Comme d'hab quoi.
C'est impossible. C'est impossible de rester sérieux avec cette tête, gros. Mais c'est un délire, c'est un délire. Gros, dès que j'enlève ma casquette, tu rigoles. C'est impossible de rester sérieux. Regarde, t'es vrai? Et puis voilà, moi je vais me dépêcher les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer tous les rushs qui sont dans la caméra. Je vais envoyer ça tout de suite à mon monteur. Parce que oui les gars, pour ceux qui savent pas, j'ai un monteur. Déjà moi ça me permet de gagner énormément de temps. Je tourne une vidéo pendant 1h30 et après j'ai plus rien à faire. C'est le monteur qui s'occupe de tout. Moi j'ai juste à faire la média, la mise en ligne. Et aussi tout simplement parce que les monteurs sont plus chauds que moi sur le montage. Voilà, ils sont clairement plus chauds que moi. Et je vais me dépêcher de faire une média pour live sur Fortnite ce soir. Et puis voilà quoi, en charbonne. Ok nickel les gars, je suis en train de transférer les rushs à mon monteur. Juste là je vais l'appeler pour savoir s'il est dispo parce que je suis en train de transférer les rushs, mais si ça se trouve, il est pas dispo pour monter la vidéo, tu vois. S'il répond pas, ça va pas le faire. Oh non, il a pas répondu. Bon, c'est pas grave, les gars, je vais lui laisser un message et je transfère quand même les rushs. Comme ça, au cas où, s'il est dispo, même si je suis en live ou quoi, au moins il a déjà les rushs. Ah, les gars, j'étais en train de faire ma miniature et je viens de voir que mon monteur m'a répondu. Yo Miguel, j'aurais vraiment voulu monter cette vidéo, mais je suis indisponible jusqu'au 8 avril. C'est la mauvaise nouvelle qui tombe là. C'est pas grave les gars, j'ai un autre monteur qui est très très chaud. Et ceux qui suivent bien ma chaîne, vous connaissez les gars, vous avez déjà entendu son nom, c'est sûr. C'est Wakeit. Je vais appeler Wakeit, on va voir s'il est dispo. Allô, ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi gros? Ça va. Gros, je t'appelle pour savoir si t'es dispo pour monter une vidéo pour dimanche matin. Dis-moi tout, c'est quoi? Je réagis au tweet sur ma coupe de cheveux. Genre, y a des gens, ils ont fait des montages j'ai vu. Ok, ouais. Bon, en gros, je réagis à ça. Ok, vas-y, hein. T'es chaud? Ok. Ouais, vas-y, c'est bon. Ok, vas-y, je t'envoie ça, gros, c'est en transfert là. Je veux t'envoyer dans une heure là. Vas-y, c'est carré. Vas-y. Simer, gros, t'es le boss. Bonne soirée. Okay. Merci, bon, bonne soirée. Bisous. Ciao. Wakeit le boss, non mais je l'appelle, réactif, disponible, impossible d'avoir un monteur meilleur que Wakeit. C'est, non mais c'est fou. Bon bah nickel du coup les gars, en plus je suis déjà en train de transférer les rushs, c'est parfait. J'ai terminé ma miniature les gars, c'est faux, j'ai pas du tout fait de miniature, je vous dis la vérité. J'ai repris la même miniature que mon live précédent. Bon bah nickel les gars, moi je suis content là, j'ai fait une bonne journée de taf quand même hein. J'ai tourné, monté, upload une vidéo pour la chaîne secondaire. J'ai du coup tourné deux vidéos pour la chaîne principale parce que celle-là au final c'est du taf aussi les gars mine de rien. Et deuxième vidéo pour la chaîne principale, celle qui est sortie dimanche du coup. Et voilà. Regardez, je vais dire à mon chat de vous faire un coucou les gars. Vous allez bien ou quoi dans le chat là? Je suis en train de faire une vidéo, regardez, on a en vidéo là le chat. Papa. Alors attendez, ils sont en train de vous faire des dédicaces là. Coucou YouTube, yo les BG, yo YouTube, coucou. C'est pour vous les gars, c'est pour vous ceux qui regardez cette vidéo, c'est pour vous tous ces cœurs. Merci d'avoir suivi ce live jusqu'à la fin. Bon allez, bisous les gars, ciao. Allez là, c'est carré ça ou pas? On est pas mal les gars. Oh, je suis capoute. Moi je vais me faire des raviolis là hein. Voilà les gars, vous avez mes repas, tous mes repas confinement c'est tout le temps ça, des trésors, des coquillettes et le soir des raviolis. Au fait les gars, il y a un truc que je fais beaucoup en ce moment pour occuper mes soirées quand je termine un live ou quoi que ce soit et que je suis pas encore assez fatigué pour aller me coucher. Alors là je vais pas faire ça ce soir parce qu'il est déjà 23h, donc le temps de manger et tout, je vais être fatigué. Enfin je suis pas chaud ce soir. Mais j'ai installé un logiciel les gars, ça s'appelle FL Studio. Sur le logiciel tu peux créer des prods etc, d'accord. Alors je vous le dis, moi je m'en sers pas du tout pour créer des prods etc, mais sur le logiciel je peux me faire une voix auto-tunée et je m'amuse à créer des sons. Bah vous savez quoi, je vous mets le son en fait. Je m'amuse. Écoutez ma belle voix auto-tunée. En vrai c'est claqué hein, c'est claqué au sol hein. Mais je m'amuse. J'ai mal à la tête, la prod de ma tête fait mal à la tête. Le rap d'anglais me fait mal à la tête. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Ça pue la merde putain. Mais les gars, vous rendez pas compte comment je m'amuse trop. En gros je vais sur YouTube, je marque instru, voilà instru rap tu vois, je marque ça. Donc il y en a plein. Celle-là j'aime bien tu vois. Je la mets dans mon logiciel. Alors après forcément j'écoute l'instru, j'essaye de trouver un air, j'écris des paroles et après je m'enregistre. J'active autotune et voilà. Ouais, c'est mardi. Du coup j'écoute l'instru, j'essaye de trouver un air genre. Enfin voilà, j'essaye de trouver un air, on s'en fout tu vois, ça prend du temps en général. Et après je rappe. On n'est pas dans le stud, on va poser sur ce son. À peine rentré à la maison, je vois les 7 chiffres millions, des millions de frissons. C'est trop bien gros. Du coup voilà, je suis désolé, ce soir on va pas créer de son ensemble les petits potes. On va tout simplement se faire des raviolis. Putain les gars, on s'est retrouvé tellement souvent dans la cuisine. Cette vidéo je commence à croire que c'est un tuto cuisine là. Petite boîte de raviolis. Il va falloir que je donne à manger à Yuki là. Moi les raviolis je mets rien hein. Je prends le pot, hop, voilà. Et j'attends que ça chauffe. Ce soir je vais la régaler les gars, je vais lui donner la petite pâtée. La pâtée là, elle la kiffe. Regardez là, elle attend, oh ma Yuki c'est bien. Tiens ma belle, régale toi. Bon les gars, les raviolis m'ont l'air prêts hein. On met la table et on mange tranquillou quoi.
Oh là 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 là. Papa, papa, petite assiette de ravioli, on est carré. Alors là, je viens d'avoir une idée, les gars. Oh là là. Ça mine de rien, j'ai bientôt plus des mentales, gros. J'ai un petit peu le seum là. Hein. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là, ça donne envie là. Les mentales en plus, ça fait tout. Du coup, voilà les gars, vous avez passé une belle petite journée avec moi. Une journée, moi, ça m'a satisfait, les gars. J'ai kiffé cette petite journée. Et puis moi, dès que j'ai fini de manger, je pense que je vais me poser dans mon lit avec une petite série Netflix, là. La dernière ravioli. Terminé. Bon bah les gars, mine de rien, la journée commence à toucher à sa fin. Moi je vais aller me coucher. On éteint le salon. J'allume la chambre, voilà. Je dis bonne nuit à Yuki. Bonne nuit Mayuki. Bonne nuit belle gosse. Wow. Moi je vais me poser devant une petite série Netflix, les gars. Je sais pas encore ce que je vais regarder, je vais trouver. Et puis voilà quoi, la journée touche à sa fin. Donc malheureusement la vidéo aussi touche à sa fin. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. En tout cas les potes, j'espère que vous avez kiffé me suivre dans ma petite routine confinement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous fais des gros bisous. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao ciao les potes.